bienvenue pour ce nouveau numéro d'Happy Hour, une semaine spéciale fête de la musique, puisque vous le savez, mercredi, nous fêterons ensemble la musique. Alors, dedans, dehors, dans les rues, chez vous, tout le monde pourra fêter la musique, et ceci grâce à notre ami Jack, quel bel homme. Alors, dans quelques instants, je vous retrouve en plateau, vous le verrez, nous reviendrons sur tous les invités musicaux qui ont parcouru le chemin d'Happy Hour, et puis nous ferons un petit tour également à la bibliothèque Jules Laforgue d'Orient, qui nous rappelleront que mercredi, ils organisent une manifestation autour de la fête de la musique pour petits et grands. Voilà, j'espère que vous êtes bien installés. C'est parti. Et on se retrouve en plateau sur le canapé rouge de Happy Hour. Pourquoi ? Pour fêter ensemble la fête de la musique. Alors on va revenir sur les invités musicaux que l'on a eu pendant cette deuxième et troisième saison d'Happy Hour. Des auteurs, compositeurs, interprètes, parfois les trois qui sont venus nous présenter leur travail. On a une région qui regorge d'artistes et on est très content qu'ils soient venus faire un petit tour par le plateau d'Happy Hour. Allez, tout de suite, on va démarrer. On va regarder les premiers invités musicaux. Alors, de mémoire, vous aviez JB Bulette, bien sûr. On dit Bulette, mais moi, c'est un petit peu... Voilà, donc JB, l'ami intime de Virginie, que l'on salue. On avait aussi Claudie Eva, qu'on avait beaucoup, beaucoup aimé. Voilà, la Frangine qui était venue avec Rookie, que vous connaissez, dont on a déjà parlé. Enfin, voilà, un petit florilège des invités musicaux qui sont venus nous voir en plateau avec un petit peu de leur création musicale. Un petit peu de leur interview, c'est à découvrir tout de suite, c'est parti. Alors La Frangine, c'est un groupe de reprises revisitées en pop, en swing, donc voilà, qui a maintenant 2 ans et demi. D'accord. Auparavant j'avais un autre groupe, bon ça fait plus de 15 ans maintenant que je fais de la musique, et Jean-Baptiste nous a rejoint il y a presque 2 ans, bon, quasiment au début du groupe. Ouais, il y a un an et demi. Ouais, d'accord. Voilà. On est normalement 4. Mais on peut jouer à 5, on a 2 batteurs, il y a 2 bassistes. On s'adapte. Moi j'écris des chansons en français, ça s'appelle Rookie. Enfin, c'est mon surnom en fait. Ouais. Et on ne demandera pas pourquoi. Mais voilà, non, on va faire. Ça fait 3 ans que je fais ça. Au début je jouais tout seul, guitare-voix. Et puis depuis quelques temps, là, depuis un an, j'ai un batteur, un bassiste. D'accord. Et c'est quel style c'est donc chanson française? Ouais, c'est vraiment, c'est plus axé sur le texte. D'accord. Et après, comme je suis guitariste, donc j'aime bien aussi profiter un peu de pouvoir jouer, pas faire que de la chanson purement. Bien sûr, ouais. Mais c'est quand même basé, c'est quand même chanson française, ouais. Il s'est levé à mon approche, debout il était bien plus petit. Je me suis dit c'est dans la poche, ce mignon là c'est pour mon lit. Il m'arrivait jusqu'à l'épaule, mais il était rablé comme tout. Il m'a suivi jusqu'à ma piole et j'ai crié vas-y mon loup. Fais-moi mal Johnny, 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 envole-moi au ciel. Fais-moi mal Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait beau. Il n'avait plus que ses chaussettes, des belles jaunes avec des raies bleues. Il m'a regardé d'un œil bête, il comprenait rien le malheureux. Il m'a dit, l'air désolé, je ne ferai pas mal à une mouche. Il m'énervait, je l'ai giflé et j'ai grincé d'un air farouche. Oh, fais-moi mal, Johnny, 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 je suis pas une mouche. Et donc vous venez d'où? Moi de Lourdes. D'accord. Voilà. Et lui, moi de Bordeaux. D'accord. Ah oui, donc vous êtes quand même. Comment vous faites pour répéter et tout ça? Ben tout par téléphone en fait. D'accord. Non, c'est pas vrai. Non, non. Moi je sais pas. Moi on me dit. Je sais pas. Non, non, on se voit des week-ends. Vous avez fait la gentillesse de venir nous voir avec une version un peu réduite pour entrer dans le studio, mais qu'il y a d'autres musiciens qui vous accompagnent. Normalement, il y a Lucille au saxophone et qui chante aussi, et Bastien au caron. D'accord, que l'on salue tous les deux, et peut-être une prochaine fois. Et Cyrielle aux percussions aussi. D'accord, qui c'est important. Oui. D'accord. Donc voilà, quand
La production aura agrandi les studios. On pourra vous recevoir avec grand plaisir. Alors, comment vous définiriez le style de musique que vous proposez ? Ben, en fait, c'est des chansons surtout en français. Des chansons à texte qui véhiculent des messages. Voilà, c'est ça qu'on aime. Et moi, je compose. Donc, j'écris mes chansons. Et qui écrit les textes ? Moi aussi. Je donc, vous faites les deux ? Voilà. D'accord. De toutes les compositions ? Oui. Quand arrive la saison, elle plie bagage, poussée par ses raisons, elle prend le large. La grive musicienne prend son envol et part à travers ciel vers d'autres sols. De vouloir peut-être en faire quelque chose d'un peu professionnel, tout ça, ça arrivait comment ? Ben, c'est depuis que je suis petit en fait. J'ai toujours chanté, braillé sous la douche et à droite à gauche, joué un petit peu de piano. Et la musique, c'était toujours un langage que je voulais apprendre à maîtriser. Et par une succession d'événements, quand j'étais petit, j'ai pas vraiment pu. Donc, plus j'avançais dans les études, plus je me suis dit quand même, ça me manque, c'est un regret que j'aurais. Plus tard, si je le fais pas, donc quand j'ai fini mes études, je me suis dit bon, bah, allez, on se lance, on va aller chanter dans la rue avec sa guitare. Puis une chose en entraînant une autre, voilà, on est là aujourd'hui. Et sous une mèche de cheveux d'or.
Voilà pour les invités de cette deuxième saison. Nous avions encore nos anciens studios. Nous n'avions pas ces beaux canapés rouges dans lesquels il fait bon se prélasser. On va parler maintenant de nos invités de cette troisième saison d'HP Hour qui sont venus sur ce beau plateau, avec ces beaux canapés, nous parler de la sortie de leur EP, de leur concert. Un petit florilège de nos invités musicaux et on se retrouve juste après. Comment vous vous êtes rencontrés et comment est né le groupe en fait? Ça fait combien de temps que vous existez? Alors le groupe est né réellement en 2013. Il n'est pas si vieux que ça finalement. Sous sa formule définitive où il y a Manu Caché donc aux percussions, batterie. Il y a Linda Desouba qui est le gros cuivre qu'on peut voir sur l'album du coup, qui est vraiment en présentation de l'album. Le sous-bassophone, exactement, celui qu'on appelle les licons aux États-Unis. Lui on l'a rentré il y a en mars 2013. On a rentré cette année Choupinou à la guitare. Voilà. Et on s'est rencontrés sur le bord de la route tout simplement quoi. On a eu du mal à le sortir celui-là. On peut parler de la dimension de la scène aussi, parce que je crois que vraiment le groupe, enfin moi j'ai pu assister à quelques concerts aussi, oui, oui, ça prend vraiment comme beaucoup de groupes, mais enfin vous j'ai l'impression que ça transpire de partout sur scène. Donc comment vous arrivez à retranscrire en fait les titres du CD sur scène, comment on pourrait présenter un petit peu le travail que vous faites scéniquement? Ça fait déjà plaisir d'entendre ça, je pense, voilà, nous on est, je pense que le CD c'est pas une finalité en soi, c'est plutôt quelque chose qu'on emporte un peu en souvenir comme une carte postale ou une photo, on fait la photo de l'instant mais ça retrace pas vraiment quel était ce moment là et on s'éclate quoi, on se dit pas tiens on va adapter un morceau sur la scène, on se dit juste prenons plaisir. C'est surtout qu'on essaie d'y amener à chaque fois un peu notre univers aussi qui est propre, enfin je pense en tout cas, on essaie d'avoir notre identité là-dedans. Le projet, il a commencé il y a pile 10 ans, voilà, le projet Greg avec que les compositions, pile 10 ans, et puis après ben, on a été dans la recherche de concerts, etc. J'ai été appuyé pendant un temps avec la GESP, on a fait quelques concerts à la GESP dans les festivals qui existaient, à la MJC Aurillan, à Castelnau-Rivière-Basse, à Riffmania, voilà, dans les petits festivals qui existaient. Et puis il y a eu le premier album en 2012 qui a bien fonctionné. Oui. Et celui-ci. Que je vous montre, qui est toujours disponible, on peut se procurer, hein, comme je le disais tout à l'heure. Sur la page Facebook, la Zika Greg, ça s'inscrit sur votre écran. Donc, on vous conseille la collecte. Et alors, du coup, quels sont les thèmes abordés dans cet album qui vient de sortir, en attendant tout le reste? Les thèmes de prédilection, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui t'inspire au niveau de l'écriture? Alors, il y a toujours des chansons, certains diront qu'elles sont toujours très autobiographiques, très personnelles. Il y a des chansons d'amour, des chansons personnelles, évidemment, des ressentis sur mes histoires. Et puis, il y a évidemment l'engagement qui est prépondérant de toute façon dans les deux albums et qui ça me tient à cœur, puisque les chansons, les chanteurs engagés, voilà, hormis Renaud qui va avoir pignon sur rue aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup d'artistes qui se permettent d'être subversifs, on va dire. Voilà. François était un bon chrétien, veillant et aimant son prochain, la messe le dimanche matin, pour tenter de comprendre les siens. Pourquoi ceux qui prônent la foi sont condamnés au célibat? Leur grand discours consensuel contre l'union homosexuelle, de tout pays, de tout endroit. François sait qu'un jour il verra l'église dans la tolérance. Dans la tolérance, vive la différence. David regardait Israël, ses murs qui montent jusqu'au ciel, devinant la guerre voisine et ceux qui meurent en Palestine. Là-bas les fous, les islamistes, ici les fanas intégristes qui ne font pas honneur aux juifs ni aux familles mortes à Auschwitz. Qu'un jour il verra ses peuples dans l'indépendance. Vive la différence de tout pays, de tout endroit. David, c'est qu'un jour il verra ses peuples dans l'indépendance. Vive la différence.
Fatima était dans son coin, voilée et lynchée par les chiens. Qui dira qu'en Afghanistan, on lut à l'envers le Coran. Ceux qui n'ont vu que dans l'islam, le moyen d'asservir les femmes, poussant leur folie, leur passion, jusqu'à faire subir leur scission. De tout pays, de tout endroit, Fatima, c'est qu'un jour elle verra, c'est ça votre temps, la délivrance. C'est ça dans la délivrance. Vive la différence. Vive la différence. François David et Fatima, Jésus, Yahvé ou même Allah, auraient aimé dans leur croyance que l'on accepte les différences, qu'on voit en un prophète ou un dieu, un rêve, quelque chose de mieux, pas une raison pour faire taire, pour conquérir, pour faire des guerres, de tout pays, de tout endroit. François David ou Fatima, ça n'a pas d'importance, vive la différence, de tout pays, de tout endroit. François David ou Fatima, ça n'a pas d'importance. J'espère que cette nouvelle saison nous permettra d'accueillir encore beaucoup d'invités musicaux. Vous le verrez, il y en aura dans les semaines à venir. Et puis, on ne pouvait pas terminer cette émission autour de la fête de la musique sans un petit bêtisier. Donc, voilà, on va le découvrir ensemble. Bêtisier des images que vous avez déjà vues, d'autres inédites. Vous le verrez, c'est toujours un bon moment pour finir une émission. C'est parti. Tous, bienvenue pour ce nouveau numéro d'HP Hour. C'est le 67e déjà. Et je suis très bien entouré aujourd'hui puisque j'ai... Qu'est-ce qu'il y a? On commence toujours par un gros plan. C'est du harcèlement là. C'est bon. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro d'HP Hour. On est ravis de vous retrouver avec les filles. À ma gauche, Karine. C'est ma droite, non? Oui, bonjour. Ben oui, c'est ta droite. Pourquoi ta gauche? Alors dis-nous tout. Ah, le jingle est passé. Oui. Bien, j'attendais. Donc on va voir la... Je dis pas donc. Non, ouais. Donc tu le dis pas. Et comment je dis alors? Legging, c'est comme un legging mais matière plus épaisse, taille haute. Faut arrêter. Je suis désolée. Comment va-vous? Mais pour ceux, il faut que tu souffles dedans. Ouais, continue à faire la mode et pas le bricolage. On va. Caméra, bien mettre. Monte, attention. T'es trop con. Ça décolle, t'es trop con. Je te jure, je te fais la même, je vais pas faire la colère. Voilà, écoutez, je vous prends pas ce cours. On va retourner tout de suite. Non, on va retourner. Ah. Non, mais je l'ai. Mais... Ah, il y a un... Oh, putain. T'as vu le mec? Non, il est dessus. Claire, j'ai envie de te dire, c'est l'heure de ton jingle. C'est parti, le jingle est parti. Donc me revoilà, puisque j'étais absente pendant un petit moment, mais je... Mais oui. Mais ça... Attends, faut refaire, ça va pas du tout ça. Il faut que je le dise dès le début, c'est le retour de Claire, personne ne me le dit. J'ai mis le t-shirt anglais exprès, bon je recommence. Putain. Je le savais. Faut tout refaire. Alors, le titre sur l'album, et ça tombe très bien puisque c'est un titre. Alors, si vous ne savez plus, monsieur le réalisateur, dans quelle caméra il faut que je regarde, dites-le moi tout de suite. Parce que là, ce n'est plus possible. C'est où? C'est là? D'accord. Alors,
Voilà, ça fait du bien de finir avec un petit sourire ces émissions d'HP Hour. On sait que vous aimez le bêtisier, on a beaucoup de retours là-dessus. Alors, on va se quitter, on espère que vous avez apprécié cette émission. On voulait à notre manière contribuer à la fête de la musique en vous représentant les divers invités musicaux, artistes qui sont venus nous rendre visite. Et puis, dès la semaine prochaine, on reprend une activité normale en plateau avec nos chroniqueuses et nos invités. Bonne semaine à tous et à lundi prochain. Ciao.